Salut tout le monde, les amis, c'est Drawinik, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 9 de Ni no Kuni et la vengeance de la sorcière céleste. Donc j'espère que ça va vous plaire ce 9ème épisode, sachant que dans le 8ème épisode, l'épisode dernier, j'avais battu le rat beauté, je crois qu'il s'appelait. Donc c'était un rat, un très gros rat, un des boss du jeu qui était plutôt féroce quoi, quand même assez puissant. Au bout de la troisième fois j'avais réussi à le tuer et donc on a réussi à sauver le roi chat qui nous a redonné la baguette magique. Donc on va pouvoir continuer le let's play, les amis. Donc excusez-moi si je bafouille un peu, je suis un petit peu fatigué. Donc c'est parti, traversez le bois boulet et rejoignez Almahu. Ok. Almahu se trouve de l'autre côté d'une forêt appelée le bois boulet. C'est une vie bien plus grande que notre carabasse bien-aimée. Sa souveraine est aussi assez... enfin, tu verras par toi-même. Ok, ça veut dire qu'elle est aussi assez grosse. Donc... ce qui est super dans Ni no Kuni, c'est qu'on voit directement où faut aller avec la petite étoile. C'est pas comme dans tous les autres... enfin, souvent, dans beaucoup d'RPG, il n'y a pas le chemin indiqué. Donc c'est quand même assez galère de... Ah! Quand ça clignote, ça veut dire quoi déjà? Ah, encore une belle journée qui s'annonce. C'est bientôt l'heure d'aller travailler. Mazette, quel entrain. Qu'est-ce que vous faites comme métier, monsieur? Je ne suis qu'un humble bûcheron. Et c'est pas un peu dangereux avec toutes ces bestioles qui rôdent aux alentours de la ville? Oui, peut-être un peu, mais on manque de bois à Carbas. Si je ne fais pas tout mon possible pour en trouver, notre chère ville va en souffrir. Alors ça vaut le coup de prendre un peu de risque. Impressionnant, quel héroïsme, pas vrai mon Tioli? Ça oui, il déborde d'enthousiasme. Oh, oh, vous me flattez. Ça risque de vous paraître un peu bizarre, monsieur, mais voulez-vous bien nous en donner un peu? Bien sûr, tout ce que vous voulez. Merci. Alors, cueille-cœur. On va prendre un peu de son enthousiasme, je sais pas si ça va nous servir pour le moment. On va juste en avoir un de sauvegarder quoi, enfin un dans le sac. Alors, oh ça chatouille, maintenant au boulot. Encore les petits pigeons là. Donc on va continuer, on va aller essayer d'aller, je sais plus comment c'est le nom de la forêt. Bolet, voilà, à la forêt Bolet. Oui, donc comme je disais, ouais, ce qui est bien dans ce RPG là, animé, dans Ni no Kuni, c'est que vous avez le chemin indiqué quoi, alors que dans d'autres RPG, c'est assez long, rien que le temps de trouver les quêtes quoi. Donc voilà, là c'est plus direct comme chemin, vous allez moins vous balader si vous voulez, mais moi je trouve ça mieux. On est déjà à l'épisode 9, ça commence à avancer, et je me fais toujours autant plaisir, enfin... Je m'ennuie pas sur ce jeu. Je le trouve vraiment bien. On est bientôt à l'épisode 10 d'ailleurs. Des épisodes de 30 minutes, je pense que c'est vraiment bien si je veux le finir en à peu près 80 épisodes. Ouais, ça va être à peu près ça. Sachant qu'il est long, on est déjà à 7 heures de jeu quand même. Donc voilà. Alors, on quitte Carabas. Et voilà mon petit Oli. Maintenant l'aventure va vraiment commencer. Tu t'es même dégoté une baguette digne de ce nom. Je parie que tu es impatient. Ok, oui. Allez, on va aller vers la forêt Bolet. J'espère qu'elle est pas trop loin. Je pense qu'elle est assez grande, comme le disait le roi Pacha. Est-ce que si je passe par là... Oui, il faut éviter les familiers. Voilà, regardez. Hop. Si vous vous rejoignez juste en ce moment le let's play pendant les vacances, si vous connaissez pas encore le jeu... Ni no Kuni, c'est un RPG animé dans lequel vous suivez Oliver, qui est le petit enfant que j'ai là, que je joue, et Lumi, et dans un monde parallèle, vous allez devoir sauver votre mère, voilà, et en même temps, il va falloir donc se combattre des personnages. Par exemple, là, vous voyez, ça, c'est les familiers, c'est des espèces de créatures comme des Pokémon, on peut comparer ça à des Pokémon, et... vous allez devoir les battre. Oh, j'espère, je suis sûr elle va être hyper puissante du coup, la nouvelle baguette que j'ai reçue. Alors. Ah oui, elle fait 5 de dégâts. Ouh, elle est puissante. Par contre, elle fait beaucoup de ratés. Ah, yes. On va récupérer des PV. Alors, niveau combien on était? Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo.
Enfin, je veux dire, ça fait longtemps que j'ai pas tourné. Niveau 8, niveau 8, niveau 8. Ouais, et puis d'ailleurs, je pense qu'on va peut-être faire 20-25 minutes sur cet épisode. Parce que dans l'épisode précédent, j'avais fait 40 minutes, je crois, de vidéo. Donc c'était assez long quand même. Ah, ça doit être ça, la grande forêt. Ouais, ça doit être ça. Ouais, j'avais fait 40 minutes de vidéo, donc c'était assez long pour le boss. 45 minutes, l'épisode 7 d'avant. Donc là je vais peut-être réduire à 25 minutes pour équilibrer un peu le tout, ou alors continuer à 30 minutes. Allez, c'est pas grave s'il veut nous attaquer. On va se faire un peu d'XP. Donc on a des familiers avec nous, hein. Deux familiers. On a Minino que j'ai nommé, c'est comme un petit singe si vous voulez. Non, justement c'est pas un singe, c'est l'autre qui est un singe. Voilà, Minino c'est un petit doudou, voilà. Hop. D'ailleurs il ressemble un peu à Lumi je trouve niveau pâte stylistique. Graphique je veux dire. Voilà, donc là on les a tués facilement. Donc on a ce petit familier là. Et on en a un autre que nous a donné Tom. Tom je sais plus comment il s'appelle. Il nous l'a donné lors d'une mission et on l'a gardé et je l'avais appelé Monkey. C'est lui le petit singe. Donc nous voilà arrivés à la forêt Bolet. Bois Bolet. C'est parti. Vous voyez, ce qui est sympa aussi, c'est que comme la map, on va dire qu'elle est très très grande, vous êtes agrandi et vous allez, ça c'est bien, bien comment, c'est bien le comment, la patte des jeux japonais où vous êtes, vous devenez une grande personne, enfin une personne de grande taille et du coup vous allez plus vite en vous déplaçant d'une ville à l'autre. Nous y sommes, le bois Bolet. Une petite balade à travers cette forêt et nous serons de l'autre côté dans le désert en un rien de temps. Mince alors, regarde ces champignons géants. Tout est si différent de bois obscur. T'as pas tort mon petit Oli. C'est vraiment un type de forêt très différent. Avec tout le respect que je te dois, à notre vieux pays, le sol ici est tout simplement meilleur. Très fertile pour sûr. Les arbres sont chargés de fruits et de noix toute l'année. C'est pour ça qu'ils appellent l'endroit la forêt de Bombance. La forêt de Bombance. Ah, la dernière fois que je suis venu ici remonte à un bail. Si c'est pas de la nostalgie ça, l'endroit grouille de fées. Tu veux que je les appelle? Oui, s'il te plaît, monsieur Lumi. Eh oh les gars, y'a quelqu'un? C'est moi Lumi. Oui, donc Lumi c'est une fée aussi, j'avais oublié. C'est pas les petites fées avec les petites ailes, hein, c'est pas la même chose. Pas de comité d'accueil pour le grand monarque seigneurial? Il se passe quelque chose de très bizarre mon pote. Pas de feu en ville et aucune dans la forêt non plus? Qu'est-ce qui leur est arrivé? On devrait peut-être s'enfoncer de plus profond dans la forêt. Puisqu'on va par là de toute façon, traversons la forêt pour rejoindre Almae et voyons ce que ça donne. D'accord, j'espère vraiment qu'on pourra croiser quelques-uns de tes amis. Fait. Donc on va les sauvegarder ici. Hop, vos PM et PV sont restaurés, on peut sauvegarder, on a des petites bandes comme ça, on peut pas, si des fois on peut sauvegarder en plein jeu, mais il y a des moments où on peut pas. Voilà, je crois que j'ai sauvegardé, impeccable. On peut continuer, là c'est vachement plus beau que les bois obscurs je trouve. C'est vrai que c'est plus coloré, il y a des gros champignons, hop, on va aller par là. Oula! C'est une araignée ça? Non non. Ça ressemble un peu à une araignée le familier là. Non 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 non. Ah il m'attaque. On dirait une araignée. Ah oui, arachnide. Arachtimide. C'est, au lieu d'être dans les familiers. Dans la famille des arachnides, c'est les arachtimides. On va lancer Monkey. Pour ceux qui n'ont toujours pas vu le let's play, voilà à quoi il ressemble. C'est un petit singe comme ça. Hop, allez, attaque. Ah oui, il est assez puissant. On va se concentrer et frénésie, allez, ça c'est hyper puissant comme attaque. Hop, on perd de la vie, on va prendre Minino, allez Atom Minino, et on va lancer une lame erratique. Ça c'est un pouvoir que j'ai débloqué qui me permet de lancer une attaque comme ça avec plusieurs coups d'épée. Attends, défends. Yes. Bien défendu. Yes, il y a des PM là à récupérer. Allez, hop. Hop, voilà, impeccable. On l'a battu, on récupère les PM, impeccable.
J'adore la petite musique. Ah ouais, niveau supérieur pour Minino qui est niveau 9. Alors, il gagne quoi? 2 points de PV, 2 points d'attaque et 2 points de magie et autre chose. Que du bon. Alors, en même temps, si on améliorait les personnages, c'était mauvais, ça serait un peu bizarre. Ah, on va avoir une cinématique. Ces champignons géants bloquent le passage, monsieur Lumi. Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça? On saute dessus, pardi. Hein? Mais ils ne vont pas casser? Mais non, mon pote, il faut que le passage d'un petit gars comme toi... Il faut plus que le passage d'un petit gars comme toi pour venir à bout de ces formidables champignons. J'espère vraiment, on n'a pas trop le choix de toute façon. Allez, sautons sur ces petits champignons. Hop. Ah ouais, sympa. Bien fait les animations. Vraiment, moi j'adore les graphismes de ce jeu. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est vraiment du très très beau boulot. Hein. Parce que je pense que tout a été fait à peu près à la main. Sauf les décors par exemple comme les arbres, il y en a un seul ou deux qui ont été faits et puis ils ont tous été rajoutés quoi. Mais ils ont quand même fait un bon boulot les game designers. Allez, hop, une mirette. Ça enlève 9 PV. Allez, hop. Tube ton attaque. Hop, hop. Oh, attention, on a plus beaucoup de... On a plus beaucoup de... Oh mince, je voulais pas l'en faire ça, c'est pas grave. On a plus beaucoup de PV, va falloir qu'on se... qu'on s'ordonne. Je sais comment faire pour en donner. Ouais, on va utiliser le sort. On va utiliser le sort de guérison. C'est bien, on peut l'utiliser hors combat, donc on va le faire ça. Alors, carré et premier soin. Voilà. Ça fait plaisir. Comme ça, on a la vie au max. D'où est-ce qu'on vient déjà? Est-ce qu'il faudrait pas aller par là? Ça se trouve, c'est un raccourci. Ouais, ça me paraît d'être un raccourci. Oula! Il est géant! Oli, ma parole, c'est un fichu robot! Ah ouais, c'est un robot! Ça a l'air de faire un sacré moment qu'il traîne ici. Mes avis qu'il risque de ne pas nous aider à traverser la forêt. Ah, un coffre. Vous avez obtenu un jeu de crocs de crocs de bête. Ok, donc c'est bloqué. Je pense qu'on devra retourner une fois par là, je pense, pour sauver ce robot. Ou pour en faire quelque chose, en tout cas. Hop, on redescend. Et du coup, tiens, on va le prendre par derrière. Est-ce qu'on peut l'avoir? Non, je sais pas où est-ce qu'il est parti. Bah, par où est-ce qu'on doit aller, alors? À moins qu'on venait de... Mais non, on vient de là. On va appuyer sur R1, voilà. On doit aller là. Bah, comment est-ce qu'on peut faire? Ah, voilà, par là. Impeccable. Ah, il m'a vu. Allez, hop. Et du coup, quand les familiers vous attaquent par derrière, bah, ils ont l'avantage. Vous allez voir ça, il commence à attaquer. Et sinon on les prend par derrière, c'est nous qui avons l'avantage. C'est un peu bizarre ce que je viens de dire, mais en gros vous avez compris. Ouh, joli. Hop. Alors, toi t'as peur de bien attaquer. Allez, on va lancer... on va lancer Oliver. Ouh. Ouh là là, il m'a fait mal. Oh, il m'a tué. Vous voyez que c'est quand même... Faut faire attention parce que en deux coups je me suis fait tuer là. Il m'a fait un gros coup sans que je me défende. Et du coup je suis mort. Donc, on va continuer. On va mettre des florins pour pouvoir revivre. Mais ça c'est pas grave. Ah ouais, du coup on revient au tombeau là. Ok. Donc c'était bien par là, voilà. Je pense qu'ils vont pas nous remettre la cinématique. Pour nous dire qu'il y a les champignons, si ça tombe ou pas. Oh non, un gros cochon. Il va pas me rattraper, il est trop gros je pense. Ouais, il a abandonné. Hop. Alors, c'est lui qui m'a eu tout à l'heure. Mince. Non, c'était pas par là qu'il fallait aller. Je me suis trompé. Guépétale et Pygmy. Bah c'était là qu'on a eu tout à l'heure. Allez, on va lancer Monkey pour commencer.
Ah oui, mais j'avais oublié qu'il pouvait pas. Il pouvait pas défendre Junki. Allez, on fait attention. On se concentre. Allez, hop. Ça, c'est puissant. Prenez-y. Mince, ça fait mal ça. Allez, on va récupérer Oliver. Et on va l'attaquer avec un soin. Sort, voilà. Sort. Morsure glaciale, tiens, j'avais jamais essayé. On va voir ce que ça fait. Ouh, 29. Ouh, ça fait mal. Par contre, je sais pas combien ça utilise de PM, j'ai pas eu le temps de regarder. Du coup, est-ce qu'on a augmenté un personnage? Même pas. Oh là, on est à presque rien pour Lumi. Oliver. Donc attendez, que je me rappelle. On est arrivé là. On peut pas passer par là. Pas besoin. Si on va, on va faire un premier soin quand même. Deux, voilà. Impeccable. Donc on avait dit que par là il y avait le robot, je crois bien. Et donc ça servait à rien d'y aller. C'est bien ça. Ici, on peut pas avancer. Donc on doit rebrousser chemin. Et on était allé à droite, je crois bien. Attendez, j'ai peur. Ah merde, il m'a vu. De toute façon, il va falloir bien qu'on l'attaque. C'est pas grave. Allez, viens. Oh là, la tête qu'il a, le... Putain, ils ont des noms bizarres. Le beau léthargique. Allez, une amératilique pour toi. Ah non, pour les deux. Ouais, c'est ça que c'est bien, c'est que ça tape pour les deux en même temps. Allez. Bien joué, Lumi. Minino, je veux dire, parce que Lumi, il attaque pas. Allez, une amératique. Et je pense que je peux les finir, là. Allez, hop, on met Monkey. Allez, on concentre... Monkey et Frenesi. Ah, ça a l'air de rien lui faire. Allez, viens. On va prendre Oliver. Et on va faire une attaque de boule de feu. Boum, voilà. Ça, ça fait bien mal. Impeccable. Hop, niveau 9 pour Oliver. C'est bien, on l'a maxé, on l'a up. Donc, réfléchissons. Ah voilà, c'est par là qu'il faut aller. Et donc là, on s'était fait attaquer tout de suite par les familiers là. Il va peut-être pas me voir s'il m'a vu. Ok, c'est pas grave. Ah non, il s'en fout. Il court dans tous les sens. Hop. Là, on est en train de découvrir des passages. Ah, c'est par là. Tiens, viens. Il va m'attaquer. Allez, Minino. Allez, on a arrêté. Et une amératique. Ah, 10. Hop, je me trompe souvent. Oui. Hop. Allez, on finit. Et on récupère des PV, impeccable. Hop. On gagne 11 florins et une tarte. Tiens, en parlant de comment d'améliorer ses personnages, on va aller donc on est à la ménagerie et on va pouvoir leur donner des gâteaux. Tiens, allez, à Minino, on va lui donner la tarte. Ça va lui augmenter quoi. On n'a jamais donné une tarte, je crois. La précision. Impeccable. Et pour Monkey, on va lui donner le pudding. Enfin, ça ressemble un peu à un flan plutôt. Et il gagne de la défense. Impeccable. Voilà. On peut continuer. Je pense qu'il va bientôt avoir un point de sauvegarde. Je sais pas ce qu'on va découvrir. Je sais même plus pourquoi on va dans cette forêt exactement. Tiens, d'ailleurs, on va le savoir. Traverser le bois volé et rejoignez Almahu. Ah oui, c'est la personne qui
qui doit me... comment... me m'entraîner, je crois bien. Ah, Pygmy. Encore un gars avec sa lance. Faut pas qu'il m'attaque parce que là, ça serait con. On va reprendre l'hiver parce que s'il m'attaque... Lui, je sens qu'il va m'attaquer avec son sort, là. Allez, boule de feu, tiens. Mince, c'est pas ça que je vais faire, c'est pas toujours utile. Allez, on va faire une morsure glaciale, et ça va être fini pour lui. Boum. Oh ouais, c'est puissant, la morsure glaciale. 33 de PV, ça fait beaucoup. Je suis sûr, après, contre les gros boss, ils auront, je sais pas, 1000 de PV, je dis ça, je dis rien, mais ça se trouve, ça sera ça. Ok, donc c'est bloqué par là, mais c'est pas grave, il y a un coffre, vous avez obtenu un café glacé. Impeccable. Est-ce qu'on peut l'utiliser... Mince, je me trompe. Est-ce qu'on peut l'utiliser dans la ménagerie? Café... Non, on peut pas. D'accord, donc ça, c'est que pour restaurer des PV. Parce qu'il y a des aliments qu'on peut utiliser pour restaurer des PV ou pour améliorer ses familiers. C'est deux choses... Il y en a, c'est deux choses différentes et il y en a, ils sont possibles pour les deux. Enfin, ils peuvent être utilisés pour les deux. Ouh, oui, oui. Je sais quoi. J'ai l'air d'être... Poison. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a du poison, du coup? J'aimerais bien ne plus être empoisonné. On n'a pas encore des sorts de guérison, je pense. Allez, on change, on passe au hiver. Sort de premier soin, parce que là, on a mal. Attends. Hop, me tue pas, s'il te plaît. Oula, il a mis quelque chose. Ah, je crois que c'était un sort de guérison. Je suis pas sûr. On va mettre une boule de feu sur lui. Ah, voilà, comme ça il meurt. Ah, j'oublie de me défendre. Allez, hop. À toi, monkey. On va essayer. Ouais, là, ça va être dur, ça va être dur. Il va falloir que je reprenne. Oliver, regardez, il fait une grimace en bas à gauche. Provision. On va prendre le café glacé. Ah merde, rien à voir, rien à voir. Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Oui. Je savais que j'allais mourir, même si je prenais un soin, c'était déjà fini. Ok, donc je sais pas si où est-ce qu'on va réapparaître. Je sais pas ce que j'ai invoqué là, mais durant un combat, j'ai trouvé un truc jaune par terre. Et ça a invoqué un putain de truc, vous voyez, ça va faire 228 dégâts. J'ai pas compris, j'ai pas pu vous lancer le tour, l'enregistrement au bon moment parce que j'avais arrêté pour pas que ça dure trop longtemps. Mais je voulais reprendre à un moment quoi. Parce que je me suis encore fait tuer dans la forêt. Donc hop. Est-ce que si on va tout droit, ça peut nous... Non, on pouvait pas aller tout droit, je m'en rappelle plus. Voilà, donc on va se retrouver exactement où j'étais tout à l'heure quoi. Ouais, donc ce que je vous expliquais, c'est que j'étais en train de... battre deux personnages assez bizarres, comme vous avez vu, un peu verts. Et là, une fois que j'en ai battu un, bah voyez, c'est les personnages qui sont juste en face, les familiers. Et dès que j'en ai battu un, il y a eu une espèce d'orbe jaune, je l'ai récupéré. Et vous avez vu ce que ça fait, un espèce de truc hyper puissant quoi, une grosse grosse boule de feu. Un junk qui m'a du Nunukuni. Hop. Allez. Il se loupe. Il se concentre. Allez, frénésie. Ça fait bien mal ça, frénésie. Il s'énerve et du coup il tape vachement fort. On va prendre Minino. Allez, une lame erratique s'il te plaît. Boum, allez. Une attaque et c'est fini. Voilà, impeccable. Impeccable, impeccable. Je pense que ça va être mieux là. Déjà on a plus de PV que les dernières fois. Et on va direct se réapprovisionner. Alors, carré, premier sang, voilà. Voilà, comme ça. On est à 73 PV sur 75, c'est impeccable. Alors on va pouvoir descendre. Est-ce qu'on a été déjà aussi loin que ça? Je sais plus. Non, si, on a été plus loin que ça.
Là, c'est là qu'on se faisait avoir. Tiens, donc c'est ce genre de personnage-là qui m'a attaqué. Et qui m'a, du coup, fait sortir le truc jaune, là. Espèce d'orbe. Ils sont très puissants. Enfin, moi, je les trouve puissants. Alors, on va prendre Oliver. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un sort sur l'un des deux. Un sort morsure glaciale. Et on va faire la même chose après. Pour l'instant, on va prendre Minino. Allez. Allez, attaquez-moi. Non, c'est pas lui que je vais attaquer. Non, c'est pareil. Hop. Ah, qu'est-ce que ça fait si on met tous les deux deux pouvoirs? Je vais me le prendre juste après, c'est ça? Non, même pas. Ok. Je veux attaquer, mais je veux pas attaquer lui. Comment on fait pour changer de cible? Ouh, belle défense. On va prendre Oliver, voilà. C'est ça que je vais faire. Et on va lancer un sort de morsure glaciale. Mais comment on fait pour changer le... je sais plus comment on fait pour changer les... la cible. Pas rond, pas triangle, pas R1, pas R2. Voilà. Hop. Et là, on va mettre... donc c'est pas lui que je vais faire, voilà, c'est lui. Et là, on va mettre un sort de morsure glaciale. Voilà, compliqué. Boom. Voilà. Et pour finir, on va prendre Minino. On va le faire attaquer. Défends, défends. Impeccable. Allez, un tué. Ouh. Et le deuxième de tuer. J'ai eu de la chance là, parce que j'aurais pu encore mourir. Hein. J'étais pas loin. Allez, hop. On est à 30 minutes à peu près, 35 minutes. On va direct se donner des premiers soins. Voilà, comme ça. On est à 75. On n'a plus beaucoup de mai, mais c'est pas grave. Alors, est-ce qu'on est bientôt arrivé à l'endroit où on doit être? Alors, je sais pas si c'est par là qu'il faut aller. Ah, purée, il m'attaque encore. Il va avoir l'avantage, ça se trouve. Non, même pas. Alors, Monkey. Mais il appelle Mickey, je sais pas pourquoi. Allez, boum. Boum, boum, boum. Boum, boum, boum. Ouh. Allez. Ouh, ça, ça fait mal. Bien défoncé. Il nous a mis à peine deux coups. Monkey, il commence à être puissant, là. Ah, niveau supérieur pour Nino, qui est niveau 10, maintenant. Alors, je suis allé par là, on va voir si ça va nous mener à quelque chose. Merde, il m'a vu. Ça va peut-être nous mener à rien du tout. Ah, si, à un coffre. Vous avez obtenu un sandwich. Bah, c'est toujours sympa. Toujours utile. Est-ce qu'on peut attaquer derrière? Logiquement, c'est moi qui devrais avoir l'avantage. Parce que j'ai voulu attaquer. Mais là, je veux même pas l'avoir, du coup. Allez, Minino. Hey, il est fort, le Minino. Bien joué. Bien défendu. Aïe. Ah, il peut pas attaquer, il peut pas attaquer. On va prendre Monkey. Non, bah non. Bah si, il peut attaquer. Hop. On va reprendre Oliver. Et on va jeter un sort. Un sort. De... morsure glaciale. Ah, lui. Boum. Allez, un sort. Ah, on a plus de PM, on a plus de PM. C'est pas grave, on va acheter Minino. Allez. Attaque, attaque, attaque. Meurs pas, meurs pas. Ne fais pas ça. Bien joué Minino. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru qu'on allait encore mourir.
va falloir qu'on se donne des provisions après ce match là. Hop, un petit soin. Voilà, fait du bien. Donc c'est par là qu'il faut aller. Du coup j'avais pris un mauvais chemin je crois. Alors, est-ce qu'il va nous voir? Non, je crois qu'il va pas nous voir. Ah, impeccable, il nous voit pas. Donc là ça doit être par là du coup. Si je regarde bien, c'est par là. J'espère que c'est par là, que je me trompe pas. Non, c'est pas par là. C'est pas par là. Si c'est pas par là, c'est par là, logiquement. Je pense. Ouais, c'est ça. Impeccable, c'est par là. Allez, viens m'attaquer, toi. C'est pas grave, j'ai plus peur. Il y en a deux. Ouais, il y en a deux. Allez, comme d'hab, Minino en premier. Allez, boum. On l'a bien défoncé. Allez, Minino. Allez. On va reprendre. Hop, Oliver, un sort. Non, pas un premier sort, mais une boule de feu. Boum. Allez, utilise ton bâton. Voilà. Bon, ça fait pas non plus des super gros dégâts, mais c'est toujours sympa. Hop. Allez, on passe vite les combats. Donc c'est pas par là, ça doit être là, voilà. On doit être arrivé. Ah yes, il nous a même pas vu, mais il est là. C'est assez... assez rocheux. Fait un peu beaucoup de vallées. Ah, on arrive. On arrive, on arrive. Qu'est-ce que c'est que ce gros œil? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un œuf de familier. Un œuf de quoi? Mais tu m'as dit que les familiers venaient du cœur des géants, des gens. Bien sûr que si, mon gars, mais ils ne viennent pas que de là. Les familiers peuvent naître partout où il y a ce qu'on appelle la force vitale. Le ciel, la mer, la forêt et les champs. Peu importe le lieu, dès qu'il y a assez de force vitale accumulée, ils jaillissent. En réalité, ils peuvent même naître des objets quotidiens. Waouh, ça a l'air drôlement puissant. Si c'est pas de la jugeote que t'as là. Les résultats ne sont pas toujours aussi magiques. Parfois ont lieu des sympathiques familiers, ce sont des bestioles méchantes et sauvages qui naissent. Tu parles des créatures qui nous attaquent sans arrêt. Celle-là même, et la seule façon de leur apprendre à ne pas attaquer tous les gens qu'elles croisent, c'est de ne pas se laisser faire. D'accord. Je me demande quel genre de créature sortira de cet œuf. J'ai hâte de vous le voir éclore. Tu risques d'attendre encore un moment, mon petit Oli. Vise un peu tous les morceaux d'arbres qui l'entourent. Ils sont tous flétris. On dirait que la force vitale de la forêt s'est faire. C'était. Oh merde, j'arrive plus à lire. C'est pas grave, vous allez lire tout seul. Tu as raison, Oli, et tu as justement ce qu'il faut en main. Il faut que je te fasse un dessin. Tout ce que tu as à faire, c'est de lancer un sort capable de rendre vie aux éléments flétris. Un sort capable de ramener... J'ai pas eu le temps de lire. Essaye de lancer un sort sur cette table desséchée. Un sort... Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme sort? Bah, cure de jouvence. Ah, ça a l'air de prendre effet. Oula. Ah, ça a enlevé quelques lianes, non? Ah non, ça va éclore, ok. Ouh. Oh, génial, il a éclos, on a réussi, monsieur Lumi. Ah, si c'est pas magnifique, ça, rien de tel qu'une éclosion réussie pour me mettre les larmes aux yeux. Arrête, ça chatouille, je crois qu'il t'aime bien. Ah, il est mignon. Ouais, c'est vrai qu'il est marrant. Bon, petit bonhomme, on doit partir maintenant. Profite de ta vie dans la forêt, d'accord? Quoi, tu ne l'emmènes pas avec nous, Oli? Il vient juste d'éclore, monsieur Omi, je ne peux pas l'emmener avec nous, c'est trop dangereux. Ouais, tu marques un poids, là. Au revoir et sois prudent. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit rien, ok. Du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit continuer en passant par là.
Mais je crois qu'on va bientôt s'arrêter là, les amis, parce que ça fait bientôt 40 minutes. Au pire, c'est pas très grave, ça fera plus longtemps la vidéo, hein. Donc voilà. J'ai toujours, je fais un peu moins, mais c'est pas grave, hein. Vaut mieux que je finisse ce que j'ai à faire et m'arrêter au prochain point de sauvegarde. Dès qu'il y aura un point de sauvegarde, je vais m'arrêter. Sauf si vraiment il y a un boss ou un truc comme ça. Donc on va voir. Non, lui, dès qu'il me voit, il part en courant. Il est plutôt marrant comme personnage. Ah. Oula. Eh bah, alors voilà. Eh bien, regarde qui voilà, c'est le mini de tout à l'heure. Comment vas-tu? Il nous a suivis? On dirait qu'il veut qu'on le suive maintenant. Tu crois qu'il a quelque chose à nous montrer? Je me demande bien, il a peut-être trouvé quelqu'un de mes comparses, Frédéric. Ah, on va devoir le suivre. Non, il m'attaque à part derrière en plus. Allez, on va te tuer vite fait toi. Allez, hop, hop. Non, il faut qu'on mène Minino parce que sinon... Allez, c'est pas grave, hop. Ouh, ça fait mal. Ouh. Ouh, regardez, c'est ce truc jaune là que j'ai eu tout à l'heure. Là on va pas l'avoir, mais du coup c'était ce genre de truc, fallait faire des trucs jolis. Je sais pas comment je fais exactement. Et ça nous avait donné... Ah tiens, niveau 10 pour Oliver, impeccable. Hop, on suit la fée. Enfin, je crois que c'est une fée. Ah, il va... C'est pas où il y avait le robot? Ah non. Eh, ça me dit quelque chose. Bien sûr, Andouille, c'est une page de l'almanach du magicien. Et ici, quand tu trouves quelque chose, tu le gardes. C'est la loi de la jungle. Vous avez reçu une page décrivant le sort croissance rapide. Ah, on va pouvoir faire grandir un... Un comment, un famille ça se trouve. Ouais, donc on a compris, là va falloir passer. Je passe un petit peu parce qu'on a compris ce qu'il va falloir faire. On va l'appeler Granule. Ouais, les granules c'est bien comme comme nom. Allez, on laisse. Voilà. Ça te fait trois familles maintenant, c'est ça. Et regarde-moi ça, celui-ci. Peut esquiver les attaques et tout. Esquiver, c'est une sorte de talent. Ouais, on peut dire ça. C'est un peu comme la défense. Le truc c'est que ça doit se faire très vite. Alors il ne faut pas se rater et réagir au bon moment. Tu deviens assez doué pour la bagarre, hein. En fait, tant qu'on y est, je vais peut-être t'apprendre une autre petite ruse. Génial, laquelle? Eh bien voilà, le topo, si tu lances une attaque pile au moment où l'ennemi attaque aussi, tu fais ce qu'on appelle une contre-attaque. Et si elle est réussie, ton ennemi sera tellement étourdi qu'il restera planté là et tu pourras en profiter pour le rouer de coups. C'est assez simple de repérer le moment idéal pour contrer, pour faire une contre-attaque. Car la petite bulle attaque en bas dans le coin clignotera en bleu. Ça m'a l'air un peu compliqué, mais je ferai de mon mieux, Lumi. Ok, donc on peut redescendre là. Du coup, où est-ce qu'on doit aller maintenant? À gauche, j'ai l'impression. Parce que si on vient sur nos pas là, ça sert à rien, c'est par là qu'il faut aller. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ouais non, on va continuer. Allez, viens m'attaquer. Allez, impeccable. Ah, niveau 2 pour Granule.
c'est pas par là, c'est par là. Il dit qu'il va me voir, il veut courir. Hop. On est arrivé. Ah non, c'est bloqué. Merde, c'est bloqué. En plus, on se fait attaquer. Si c'est bloqué, je sais pas du tout où faut aller. Allez, attaque-le. Allez, on va sur une boule de feu. Boum. Allez, hop, Minino. Allez, en deux coups, ça va être fini, ça. Voilà, impeccable. J'espère qu'on va bientôt trouver une pierre tombale, là, pour sauvegarder. Parce qu'il commence à être long, l'épisode. Je pense pas que vous avez tous tenu jusque-là. Hop. Allez, on continue. Du coup, c'est par où? On sait qu'il faut aller là. Mais on peut pas, en gros. On peut pas aller là. Comment doit-on faire? J'essaye de comprendre. Parce que là... Ouais, on peut pas. Je pense qu'on va se laisser là, les amis, pour cet épisode. Et on se retrouvera la prochaine fois dans un nouvel épisode. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Salut tout le monde et à bientôt.